On dirait que le général Rex est le dessus, commandant. Tu dirais que c'est moi qui ai le dessus, Clark. On le sait déjà, pas besoin de le répéter. Je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est de creuser. Oh, un nanos. Il y a peut-être un autre moyen, commandant. Je ne crois pas, Rex. Mon officier en second est bien trop futé pour toi. Peut-être qu'il me faudrait un second intelligent à moi aussi. Je sais. Je vais me fabriquer une Kitty rien que pour moi. On a terminé le corps. Il ne manque plus que la super intelligence. Mélanger des microprocesseurs, une pincée d'intelligence artificielle, une carte mère, une carte père, une carte cousin germain et un bol de lait. Maintenant, il ne manque plus que la foudre. Les tempêtes électriques sont assez fréquentes sur la surface de Saturne. Ça peut durer des mois et les éclairs sur Saturne sont environ 10 000 fois plus puissants que ceux que l'on a sur Terre. Les enfants, surtout ne vous aventurez pas sur Saturne. Par le nom que je me suis choisi. Et ce nom est Panthère. Je m'appelle Panthère. Les gars, allez réviser ailleurs, je suis occupé. Désolé, patron. Le moment est venu de me présenter. Je suis l'immense Général Rex, robot à la fois puissant, intelligent et séduisant, dont la quête permanente est de débarrasser la galaxie de ce maudit commandant Clark. Si vous êtes aussi malin, pourquoi vous ne l'avez pas encore battu? Clark est coriace! Mais j'ai un plan diabolique qui va me permettre d'en finir avec lui. Je compte déverser 1 million de muffins au chocolat dans le lance-fusée de son vaisseau. C'est ridicule, vous n'y arriverez pas. Ah vraiment? Laissez-moi faire, mon super cerveau va élaborer le plan parfait. Kitty a encore sauvé la situation. Formidable, on peut toujours compter sur le lieutenant Kitty. Vous pouvez aussi compter sur moi, Amiral Schlurp. Et moi, je danse le cha-cha. Pour tout vous dire, la Fédération est si satisfaite de vos services qu'elle vous confie le commandement d'un vaisseau. Comment? Moi? Commandant Kitty? C'est la moindre des choses. Je ne sais pas quoi dire, Amiral. Je suis flattée, mais... Laissez-moi y réfléchir. Vous avez peu de temps, Kitty. La Fédération est en train d'affréter un vaisseau pour un long voyage dans l'espace infini. Oh non! Ne pleure pas, Foxy. Je ne suis pas encore partie. Je m'en fiche que tu partes. Ils auraient dû me donner le commandement à moi. Le tcha-tcha n'a donc plus aucune valeur dans notre univers corrompu jusqu'à l'os. Toutes mes félicitations, Kitty. Tu feras un excellent commandant. Non! Oh non! Pourquoi? Pas moi! Je ne vais pas... Vous manquez, commandant? Non, pas du tout. On va trouver quelqu'un qui sera à l'aise dans tes bottes. Hein? J'ai toujours beaucoup aimé tes bottes, Kitty. Tu fais quelle pointure? Toutes mes félicitations, Kitty. À l'heure du
prend le poste? Je ne voulais pas quitter l'Arche. Je suis heureuse, moi, ici. Mais le commandant Clark n'attache pas d'importance au fait que je parte. Il est peut-être temps de voler de mes propres ailes. L'espace va me sembler drôlement froid et vide sans toi, Kitty. Enfin, il me reste tes boules de poils pour me souvenir de toi. Kitty! Ok, Panthère, on est entré. Maintenant, ils vont tous nous botter le derrière comme d'hab. Bah, si on utilise ceci, un disrupteur sonique programmé pour stimuler les nerfs de la danse chez les animaux. Voyez plutôt. Ils ne nous stopperont pas tant qu'ils danseront. D'abord, on va mettre le reste de l'équipage en lieu sûr. C'est moi que tu dois appeler au puissant, pas elle. Ah, là, 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 là. Lâchez maintenant à moi. Je n'ai plus qu'à retrouver Clark et Kitty. Tais-toi, stupide petit jouet en fer blanc. Je suis la patronne. Enfin, enfin. Enfin, de course, c'est ce que tu es. Par ici la sortie. Si j'en crois mes capteurs sensoriels ultra puissants, Clark et Kitty sont cachés dans la salle des navettes. On va les cuire, patronne. J'en fais une affaire personnelle. On dirait qu'il n'y a plus que nous pour sauver l'Arche. J'ai gardé un os pour nous donner des forces. T'en veux? Il a un arrière-goût de terre. Ça ne me dit rien. Vous pensiez vraiment pouvoir échapper aux griffes de panthère? Oh! Attention, Kitty! Et selon mon plan, Animatronix, on applique mon plan. Enfournez les muffins dans le lance-fusée de l'Arche. Général Rex. Général Rex, on a un petit problème. Comment? Thank you.
Kitty. Je suis là, Amiral Schlarf. Avez-vous décidé d'accepter ma proposition? J'ai réfléchi, Amiral, et j'ai décidé de ne pas accepter. Je veux rester sur l'Arche, avec mes amis. C'est fort bien. Clark, le règlement de la Fédération est clair, on ne danse pas à bord. On n'y peut rien, Amiral Schlarf. Nous subissons l'influence des rayons de Panthère. Je comprends, mais ça ne me plaît pas. Commandant, les effets des rayons ont cessé il y a des heures. Il n'a pas à le savoir. Tout le monde en piste!